1-1. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin pour les habitués. Vous connaissez un peu le principe des rencontres. Là, je vois des têtes que je ne connais pas. Donc, il y a des gens qui viennent peut-être ici pour la première fois. Donc, on essaie de faire venir régulièrement des réalisateurs de films. Et on profite en général d'une actualité DVD ou d'une sortie de livre pour faire venir ces réalisateurs. Là, ce soir, ce n'est pas le cas parce qu'on est très, très honoré et très content. On a su qu'un réalisateur qu'on aime beaucoup était de passage à Paris. Ce réalisateur, c'est Wang Bing. Et voilà, donc je propose que déjà qu'on l'applaudisse. Et... Alors, je vais lui poser quelques questions et puis après, je ferai passer le micro pour que vous puissiez profiter de sa présence également. On passera peut-être un extrait de film et après, on fera la dédicace. On demandera à Wang de signer les livres ou les DVD qu'il a de ses films, s'il en est d'accord. Voilà. Donc moi je vous ai découvert au cinéma avec comme tout le monde ici en France avec À l'Ouest des Rails qui est sorti dans une salle à Paris et qui est une sorte de film fleuve de 9 heures qui était divisé en 4 parties mais qui est divisé en 3 parties qui voilà vous nous donnez à voir pour ceux qui ne le connaissent pas un regard sur la Chine contemporaine. Là, c'était le nord de la Chine, des usines, de grandes usines de la Chine florissantes et qui là devenaient des sortes d'usines privatisées, un peu parfois abandonnées. On a en souvenir évidemment ces longs plans séquences en train sur les rails. Ça a été un choc pour nous de découvrir, et par la durée, et par le support, le numérique, parce que vous avez filmé à l'époque en numérique. Et puis après, on vous a suivi, et on avait toujours, c'était toujours un témoignage, et puis un regard assez unique sur la Chine d'aujourd'hui, et sur une certaine Chine aussi, la Chine, pas la Chine la plus favorisée, les trois sœurs du Yunnan, on était à 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude, on suivait la vie de trois jeunes sœurs. Feng Ming, chronique d'une femme chinoise, c'était une femme qui avait vécu, qui avait été dans les camps, et c'était son témoignage que vous recueillez. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment fait acte de cinéaste, d'historien, et pour ça, nous, ça nous a donné à voir des idées, une certaine Chine qu'on ne connaissait pas, et c'était très important, et votre travail est majeur. Juste la première question que je pose à tous mes invités, mais je sais que vous avez un parcours particulier parce que vous n'êtes pas arrivé tout de suite au cinéma, mais c'est de savoir quelle est la première image de film, le premier film que vous avez vu dans une salle de cinéma.其实这种就是挺难回答的，因为影像肯定过去看的都是过去的电影，但是我们比较小的时候最初接触电影的时候，刚好都是中国的一些就是说，国产的一些，当时就算是。 70年代末吧，70年代末能记住的，就是中国的那些政治片或者宣传片之类的。Un peu difficile de répondre. Et si je me souviens quand j'étais petit, alors les premières images que j'ai vues, ce sont plutôt des films de propagande dans les années 70. 然后。 对，主要是这个。然后，当我们开始逐渐接触电影的时候呢，那么中国的电影就是说，正好赶上就是第五代的所谓的体制内的这些第五代的这些导演。那么之后，当我们开始学习电影的时候，然后进入开始拍电影的时候，我们就开始做，又开始做的是独立的电影。
Et puis quand j'ai commencé à travailler ou rencontrer le cinéma, et ce sont des cinémas plutôt indépendants, et surtout aussi j'ai vu des films de réalisateurs soi-disant de la cinquième génération. Et puis voilà, je suis entrée dans la réalisation des films indépendants. Je sais que vous n'êtes pas arrivé au cinéma tout de suite. Vous êtes arrivé au cinéma, vous avez d'abord fait de la photographie, c'est-à-dire que vous avez d'abord fait une école de photo, et votre regard s'est construit à travers le fait de photographier votre région aussi, les gens de votre région. Peut-être vous pouvez nous parler de ça, comment... Comment ça a été important pour vous ?因为电影呢，它的一个最基本的，它是靠影像来讲故事，靠影像来承载的。虽然说，照片呢跟电影完全不同，但是在我开始拍电影之前，实际上我已经通过照片的经验，大概已经有七八年的这个影像的经验，所以这种影像会对我，就是说去拍摄的时候，你会有就对影像会那种直觉吧，就是属于像就是比较特别，像怎么说呢，就像日常里生活一样，所以你不会对影像一点都不陌生。D'abord, les véhicules de cinéma, ce sont des images. Alors, bien sûr, moi, avant de commencer de faire des films, et j'ai déjà fait des expériences à peu près pendant 7 ou 8 ans avec des images. Et forcément, c'est que je suis pas quelqu'un de nouveau. Et c'est des images, mais sont quand même très, très familières. 实际上就是说他有一种影像经验，这种影像经验在你进入到电影的时候，它会快速的让你帮助你理解，就是电影里边的影，就是以前的这种影像经验啊，你会快速的能够了解，并且如果你自己想去做你自己的方式，这种你想创作你的这种影像方式的时候，你会有一些之前的经验，会给你一些启发。Et ces expériences avec des images m'ont beaucoup nourri et ça me permet aussi de comprendre rapidement et mieux ce qui est le cinéma. Et bien sûr, ça m'a beaucoup aidé, quoi, ces expériences dans les images. Et vous, il y a un très chouette livre d'entretien avec Emmanuel Burdeau et Eugenio Renzi, qui est derrière moi, Eugenio Renzi, où vous parlez de... Comment l'enseignement a été très important. Il y a eu des rencontres très importantes, à l'université avec des professeurs qui vous ont appris à voir le réel, comment on observe un objet. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur le cadre vous intéresse pas tant que ça dans le cinéma, mais la question c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on filme, quel est cet objet qu'on filme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ça?实际上就是影像它也是一个，它是一种就是一种经验，就是说它跟思维方式很像。比如说你最初你学习这个影像的时候，你不一定能够，就是说当你还没掌握这个影像的这种语言的时候，你就很难，就是说通过它来很自如的去，比如观察，或者说你去通过影像来塑造一个你的故事，或者说你自己能够知道，就是说你想表现什么。Et
Bien sûr, l'image, c'est un langage. Et c'est comme une façon de parler, une façon de réfléchir, une façon de penser. Et c'est qu'avant de la maîtriser, et il est bien sûr très difficile de vraiment d'essayer de raconter des histoires à travers ce langage de l'image.所以在这种影像的学习过程当中，那么我非常就是说，怎么说，有一个机会让我就是说，从以前的电影经那个影像经验里边，通过训练快速的进入到，就是说是你自己以前你不知道影像是这样的一个世界，就是这样一种这样一个有这样那个表达的空间。 Mes expériences dans les images m'ont aidé de vraiment vite appréhender ou maîtriser ce nouveau langage d'image. Et ça m'a parce qu'il y a une en général il y a une période de transition. C'est que dans la période c'est que on fait des images, on fait des films, mais en même temps on n'a pas maîtrisé le langage. Et cette période pour moi ça a été assez courte. Et j'ai vite maîtrisé ce langage, cette langue. Ouais. 其实，就是我自己也经常在，就是在想，就是那我的电影，我要怎么去面对我以后的工作？就是你会不断的去工作，那你每拍一个影片的时候，你如何能够让自己更进入到一个就是说新的一个经验？ 能够不再重复以前的经验，所以这个时候你会不断的就会去想，从这个影像的方式里边去考虑，这影像到底是个什么东西？影像跟我们的生活，跟我们的这个文化是个什么？它在这个整体这个文化当中，影像承载是个什么？就是承它承载一个什么？就承载一个什么样的？就是对于我们人来说，它承载什么东西？所以我想了。 好多年，我最后发现，影像还是一个原始的、最原始的一种方式，它跟所有东西都有区别的，就都不一样的，就是拷贝，它可以直接的拷贝我们所见的、所看见的东西，而且不改变。我觉得这就是影像最重要的。 Bien sûr, c'est que avant, pour éviter de répétition, pour répéter toujours la même chose, j'ai essayé de me renouveler chaque fois. Et quand je démarre un nouveau projet, en même temps aussi, en me posant toujours des questions, qu'est-ce que c'est vraiment le langage de cinéma, qu'est-ce que c'est d'image, qu'est-ce que c'est le sens de l'image, de langage et tout ça. Et ce sont des questions que je me suis posées très, très, très souvent et chaque fois que je démarre un nouveau projet pour essayer de me renouveler chaque fois. Et après des années de réflexion par rapport à cette question-là, et ce que moi j'ai finalement j'ai compris, c'est que l'image, l'essentiel, l'image, la forme, la prise. On dirait le primordial de la forme de l'image. Enfin, c'est copier. Ça veut dire l'image documente et note ou copier ce qu'on a vu. Donc, 继续的工作，就在我的电影里边，我如何继续工作呢？我觉得是两点东西，对我来说，是我特别，一个是我特别感兴趣的，另外也是我特别喜欢的。就第一，我觉得故事的未知性，就是我们在我在一个是我要拍这个人，但是我对面对他的所有的拍摄都是未知的，就是因为没有发生。 所以是一个未知性。另外就是记录，它是一个真实的、直接的记录。这两点构造一直是我觉得在我的电影里边，对我来说，就是我做这份工作对我来说是最重要的这两点。 Après ces années de travail et surtout j'ai fait des documentaires et je me suis rendu compte qu'il y a deux choses qui sont les plus importantes pour moi. Alors la première, c'est que quand on ne sait jamais qu'est-ce que c'est vraiment la fin des histoires. Et pendant le tournage. Et ça veut dire imprévisibilité de l'histoire qu'on est en train de tourner.
Et deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est ? Deuxième chose, c'est que ah oui. Après, voilà. Et après, l'image, c'est que ce sont des là. Comment dire ? On documente quelque chose qui est directement qui se passe devant nous. Cet aspect de documenter, on peut dire, documentaire, documenter. On note, mais on note par l'image. Voilà. Comment, ouais. Je reviens un petit peu à votre rencontre aussi avec le cinéma et les premiers films, j'y tiens parce qu'on est une boutique aussi où il y a beaucoup de films, les premiers moments où vous êtes rentré en contact avec la salle elle-même de cinéma, parce que je sais qu'en Chine à votre époque, il y avait ce qu'on appelait les salles cassettes où on projetait les films mais en VHS. C'est-à-dire que c'était pas des copies 35. Donc je crois que vous avez vu beaucoup de films dans ces salles-là, et il y avait très peu de films qui étaient projetés en 35 mm, en pellicule. Et je crois que la question du support est quelque chose d'important aussi pour vous, bien évidemment. Donc peut-être parlez-nous de ces moments-là de jeunesse cinématographique et ces films que vous alliez voir jeunes.就我十七八岁的时候，比如我看到的电影都是，比如，在西安，然后我们那时候就在电影院旁边有那个录像厅。比如我记忆深刻的是一个挪威电影，就是有我一晚上看五六部电影。就白天上班嘛，因为是在中国的这种单位里边上班，实际上没有任何意思，所以就是说晚上呢也没有什么事情可做。然后就是说，那我们几个人就约好，就去这个录像厅看，看了就是看到第二天早晨，然后就是看完以后呢，回去休息，然后上班呢，因为你就是，因为不是自己的公司，所以大家也就是说凑合混混时间就过去了，所以那个时候，而且就是说，也比较年轻嘛，所以就没有那么多的想法，所以就是说，去看，就是。那时候看很多，有法国的，也有好莱坞的，也有欧洲其他的国家的电影，我记得印象特别深刻，我当时看了大概是六七部挪威的电影，我当时觉得这个电影太无聊了，就没有意思，就是因为实际上就是那时候对电影不懂，但是实际上那些电影呢，就它的那个主题特别严肃。Oui, quand j'avais 17 ans, 18 ans, et on passait beaucoup de temps dans des salles, voilà, soit dans des petites salles de KTV, quelque chose comme ça, ce moment-là, et on a vu beaucoup de films avec mes copains. Et à l'époque, je travaillais dans une entreprise, voilà, le travail était très, très ennuyeux, et du coup, après, on passe beaucoup de temps, et parfois, et je passe vraiment la nuit entière, et dans ces salles-là, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de films, et je me souviens, c'est qu'à l'époque, j'ai vu 7, 8 films des films norvèges, et à l'époque, je pensais, ces films-là, ils sont tellement ennuyeux, mais en effet, maintenant, j'y pense, ce sont des films qui traitent vraiment des sujets assez sérieux. Voilà, mais à l'époque, je ne comprenais rien de cinéma et du coup, je les trouvais assez ennuyeux. Quoi. 所以其实现在想一想，其实当时那些电影其实讲的是，就是挪威在就是城市化，就是欧洲开始进入一个经济城市化的过程当中，就是很多人从乡村嘛，就是他们跑到城市，然后整个乡村已经变得很就是没有什么人，跟就是。我觉得还是，但我现在记不清，应该是在是哪个年代的故事，还有一些诗，他写的一些就是写一些以诗人的故事，所以就我们当时看的，对对对，所以像北欧那些电影，所以之后我自己也对这些事情也再没有去就是说了解，但是那个时候的电影经验就是突然你会发现有一些新的，跟我们所生活的所有的生活的。艺术的就是说所谓给你的电影的这个价值观完全不同了，但是我们在接受这个价值观的时候，我们不知道如何去接受，就我们
因为我们没有这样的，就是在最初没有还没有这样的，就是说这样就没有这样去思考问题，我们所有的思考问题的方式都按照自己整个社会规定的这样一个惯性在思考，所以这是最初我就是说碰到一些就是说作者电影的一种感觉。Et je me souviens qu'il y a un des films qui parle d'un jeune qui est arrivé dans une ville, d'un petit village très très lointain, etc., etc. Enfin, il s'agit de films surtout de l'Europe du Nord. Et surtout parce que, en fait, mes expériences avec ce film-là, en voyant tous ces films-là, c'est que ces films-là m'ont donné vraiment une nouvelle notion par rapport à la valeur de la vie et la valeur du monde, vision du monde. Et ce qui est très, très intéressant, parce qu'à l'époque, presque tout le monde était plutôt façonné par une forme publique officielle qui circulait à l'époque en Chine, quoi. Et du coup, à travers tous ces films-là, j'ai pu rencontrer cette nouvelle vision du monde et nouvelle mode de vie et surtout nouvelle, comment dirais-je, notion de valeur, etc. Et ce qui m'a ouvert vraiment un nouveau monde. Bien sûr. Je crois qu'à l'université, vous aviez un professeur qui s'appelait Zhong Kuangyi, excusez-moi pour l'accent, qui parlait anglais et qui vous a fait découvrir le cinéma d'Antonioni, de Bergman, de Pasolini et Tarkovsky, que vous aimez beaucoup. Et ça a été, par rapport aux images que vous aviez en tête, qu'est-ce que ça a été comme monde qui s'ouvrait à vous, comme innovation aussi cinématographique, comme langage, on parle de langage du cinéma. Je crois que Tarkovsky est très très important pour vous, même si vous ne faites pas du tout le même cinéma que lui, mais en même temps c'est un cinéaste qui vous parle au plus profond.因为对我来说，我进入电影学院的时候，我已经离开美术学院了，所以我在美术学院我上了三年整，然后我就马上就去电影学院，所以刚到电影学院，对电影不了解，对电影的这个语言就完全是陌生的。那么对我来说，就是每天上课，比如讲好莱坞的电影啊，讲什么的电影，因为我在美术学院的话，就是说基本上都是就是说。比较每个人都强调自己的个性，然后去找自己想自己不同于他人的这种就是说表现的语言，那么这是在美术学院呢基本上都是这样去学习的。Quand j'ai commencé l'Académie de cinéma et j'ai déjà fait mes études dans l'Académie de Beaux-Arts. Et bien sûr, avant entrer, alors quand je suis entrée dans l'Académie de cinéma, et je ne connaissais rien sur le cinéma. Et tout est neuf, tout est nouveau pour moi. Et c'est que tout ce que j'ai fait, ce sont des photographies quoi, que j'ai étudiées. Et voilà. Et bien sûr, c'est que je suis assez ouverte à l'époque pour tout ce qui m'arrive. 那么，初到电影学院的时候就很茫然，因为我不知道电影，我在电影里边我将会选择什么样的方式，什么样的电影是可以发挥我的这种创造的这种天性。所以，到了电影学院大概半年时间以后，那么。我有一个就是说当时在我们上学的时候那个这个老师叫周传基，也刚刚今年刚刚去世，周传基这个人呢是翻译了大量的西方的电影理论的书籍，所以他在教学当中，而且他有很多时间去好莱坞，然后并在好莱坞讲一些中国电影，那么他从好莱坞回到中国以后，他又讲好莱坞的一些电影，所以呢就是说他带很多的电影的资料，
那么给我们上课的时候给我们看很多，就是说不同的具有不同风格的导演。那么那时候就像这个塔可夫斯基，包括那个伯格曼等等，就是说还有就是比较有个性的导演，就是那么包括他们电影的一些段落，就是某一段某几个镜头某几个就是某一个电影的某一场戏，所以他会讲得很详细。那么我们开始接触到这些电影的时候，突然觉得哦，电影是有另外一扇门，不仅仅是有一个就是说叙事完全的，就是说这个好莱坞的这个叙事的这样的就是这样的电影，还有另外一张就是说是有自己风格的，是自己是完全属于这个就是可以是一个艺术的这样的一个符合这样这种创作心态的电影风格。所以那个时候一下子我们就进入到这样一种oui, au début j'étais assez perdue parce que je ne savais pas en quoi je dois m'orienter. Et à l'époque, on avait un prof qui s'appelle Joe Chuanzi et qui a traduit beaucoup de livres sur le cinéma. Et surtout lui, à l'époque, il était allé aussi à Hollywood pour enseigner le cinéma chinois. Et du coup, quand il est rentré en Chine, il enseigne le cinéma de Hollywood. Alors, et lui, il a... Enfin, il était très érudit, il nous a montré beaucoup de choses, c'est le cinéma. Et vous avez déjà cité tous les réalisateurs. Et du coup, alors, il a donné, il a montré des extraits et il a fait des analyses très très en détail. Et du coup, je me suis rendu compte, c'est que si le cinéma, il y a non seulement une histoire à raconter, mais il y a aussi un langage, il y a un style. Et surtout, et on peut chaque réalisateur pour avoir son propre style. Et le style, c'est aussi, c'était tout neuf pour moi, quoi. Voilà. Alors, c'est assez étonnant parce que vous passionnez pour des... j'ai lu votre passion pour quelqu'un comme Visconti, par exemple, Kino Visconti. Et en même temps, quand on voit votre cinéma, Visconti, qui est très baroque, qui est très... où il y a un montage, ou même Antonioni aussi, pour parler de montage. Et en même temps, dans vos films, on a plutôt l'impression qu'il y a une sorte d'immersion, évidemment qu'il y a du montage, évidemment qu'il y a du rythme, mais en même temps, il y a un rapport à la durée qui est quand même assez marquant. C'est-à-dire que vos films les plus courts font 3 heures. Donc, parlez-nous de ça, comment ces cinéastes vous influencent, et en même temps, comment vous les digérez pour en faire un geste qui a l'air d'être un geste très différent. Après, sera vos questions, hein. Donc préparez vos questions courtes. Si je vois de n'ayons pas le fond, je suis en de la tour, je suis pas le fond, je ne suis pas en train de faire un Visconti de n'ayons rien, je ne suis pas en train de faire un fond.其实就是如果说从我单纯的影像的语言方式来说，我的电影实际上是最像威斯康蒂的那种影，就是摄影机的那种方式，拍摄方式是非常像的。一方面就是说你在学习当中你会去看不同的导演的片子，你从中学习他们的电影是如何去创造一个影像的这样的一种方法。另外你也会感觉哎，这个导演的风格会不会让你觉得特别有意思，就是你会被他的作品打动，另外你会从他的身上去吸收他的电影的拍摄的方法。 Alors je peux dire peut-être que mon cinéma ressemble et proche la façon de Visconti, surtout la façon de le mouvement de la caméra. Et bien sûr, c'est que quand je vis un film ou un film d'un réalisateur, quand il y a quelque chose qui me touche beaucoup, et forcément, je serai influencée par ce réalisateur, par sa façon.
par rapport à la question de la durée de vos films, la question qu'on vous pose en permanence, qui doit vous agacer, mais on ne peut pas s'empêcher de vous la poser.但是告诉你这个人物的时间和处境，它是告诉你这个人物的，告诉你这个故事，但它会给你观众一个感受，就是说感受这个人物的时间，电影里边那个人物的时间，有很多电影是不给你的，但是对我来说，我觉得就是说电影特别它的价值就是这个材料特别有意思的，就是说它是可以记录时间的。那么你如何跟真实的人物跟真实的那个人发生的这个事情本身的时间，就让观众能够感觉到它，感觉到一种就是说那种，就电影是不仅仅是一个故事，就是不仅仅给你讲一部，同时它是有一种，就是一种完全真实的，就是完全就像我们看见一个事情，我们在站在这个事情跟前，就是那种身临其境的这样一种，就是说那种真实能给你，不仅仅是一个故事框架。Ils se soucient surtout pour raconter des histoires. Alors pour montrer l'histoire, pour raconter l'histoire. Et c'est pas très souvent, c'est qu'ils donnent assez de temps pour le public pour essayer de sentir, hein, sentir un personnage, accompagner un personnage ou sentir le temps, la durée dans la narration. Et justement parce que pour moi, alors, le cinéma, c'est aussi un moyen très important d'enregistrer la durée, le temps. Et c'est pour ça, c'est que pour moi, c'est que si je peux mettre les gens, ça veut dire que je crée cette impression que les gens ils se mettent dans la situation. Il peut être en train d'observer ce qui se passe. Et dans le temps réel. Et là, c'est quand même ça m'intéresse beaucoup. C'est assez drôle, ma question, c'est vrai que j'avais vous posé la question de savoir où est-ce qu'on pense le spectateur quand vous filmez, quand vous venez bien. Mais par contre, dans Swimming, c'était pas un film qui s'adressait au salle du cinéma apparemment. C'était un film qui avait, pour vous dans votre tête, c'était ça s'adressait plutôt au musée. C'est plutôt faire vraiment capter le témoignage de cette femme qui raconte sa vie devant la caméra, beaucoup comparé à Numéro Zéro de Jean Slash. Vous la filmez, plan fixe, et puis le jour tombe, la lumière tombe, et puis vous allumez une lumière, c'est vraiment le film dure 3 heures, plus de 3 heures, et elle raconte toute sa vie terrible, et puis c'est une survivante, c'est surtout ça que vous filmez aussi. Et est-ce que quand vous faites ces films-là, encore une fois, vous pensez, ce film-là, vous pensez au spectateur, vous dites non, je fais œuvre d'archiviste, presque d'historien, je capte une mémoire.我不会有这种感觉，只是就是说你面对一个故事，面对一个拍摄的人的时候，你知道用什么方式你会拍得最好。我的大脑里边始终会不断的会就是说告诉我是不是用这种方式是不是对，我是不是拍得最好，但不会考虑这种方式别人会怎么接受，这不是我要考虑的问题，而是这样方式是不是最好的一个电影，或者是面对这个人物的生活，它是不是最好的一个方法。Non, j'ai pas pensé au public. Alors, c'est ce qui m'est important, c'est faire le choix, c'est comment je filme. Quand je suis en face d'un personnage ou une histoire, alors moi j'ai essayé de trouver la meilleure façon
de raconter l'histoire ou de monter de ce personnage. C'est que il est plus important pour moi, c'est trouver vraiment la meilleure façon, le meilleur langage ou le meilleur style ou la meilleure le moyen pour raconter l'histoire ou pour monter le personnage. Et à ce moment-là, je pense pas vraiment au public, est-ce que cette façon ou est-ce que ce style va être accepté par le public ou pas, et ça j'y pense pas. Levez le bras pour les questions, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que ça vous fait, Wang Bing, d'avoir un public aussi des gens jeunes, un peu moins jeunes, des cinéphiles, des vieux cinéphiles, des jeunes étudiants, d'avoir un public très, très éclectique au final, qui connaît votre travail, qui l'apprécie, qui vient vous écouter, qui vient vous voir, qu'est-ce que ça vous fait ?我觉得不是，对我来说，因为我真的是很少想，就是，我每天呢，就是除了工作，然后有很多就是很困惑的事情，我自己，所以我根本不去想，就是说更多的关于观众的问题，我就是觉得电影哈。因为你更大的苦恼，但就是你会只想电影到底是什么东西，就是电影是什么，这是我一直是要，就是一直是个疑问。我从来可能在去年当中，我突然觉得啊，电影是这样子的，但是你过一段时间你还会不断在问电影到底是什么，你会不断的问自己，你在每拍一部电影的时候，你找到一个方式，你可能觉得在这个阶段当中，你拍完一个影片，你觉得哎，这种方式我拍的这个电影拍得很好，就是不是好，就是很从容，我觉得我这种方式找对了。但是突然当你这个电影结束之后，将会面临一个新的电影的时候，你又重新又回到一个就是到电影到底又是什么，你会有新的问题，这些问题将会就是你一直的一个苦恼。至于观众怎么看我的电影，说实话，我真是因为我没有一个脑子去能够考虑到别人喜欢什么，或者是别人怎么去看这个世界。我唯一的一个可能性就是说，我自己我会校正我自己，我怎么看这个世界，我这样看这个世界对不对，就是我始终会就是说我的能考虑的事情就是这么大的一个范围。En fait, la question que je me suis posée, c'est très, très souvent, c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce que c'est vraiment le cinéma. Et chaque fois que je termine un film et que je pense que j'ai trouvé vraiment la meilleure façon de faire ce film, de réaliser ce film-là, et à ce moment-là, je pensais, je trouvais le vrai sens du cinéma. Mais par contre, dès que je démarre un nouveau projet, la question se pose encore une fois. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais raconter l'histoire, etc. Et enfin, cette question-là qui me pose, je me suis posée tout le temps, et chaque fois. Et j'avoue que je me soucie pas vraiment comment les autres vont réfléchir, vont penser de tout ça, et je pense que j'ai pas vraiment la tête pour ça. Et en fait moi je réfléchis, ce que je pense tout à souvent, c'est que comment j'ai trouvé la bonne méthode ou la bonne moyenne ou la bonne façon de raconter cette histoire. Est-ce que c'est juste que c'est comme ça, est-ce que la façon que j'ai trouvé c'est juste ou pas? Et c'est plutôt ce genre de question que je me suis posée. Apparemment, c'est juste pour toutes les personnes qui sont là. Vous, si vous avez des questions. Bonjour. J'ai pas vu tous vos films, j'en ai vu, je crois, 3 ou 4. Je voulais savoir pourquoi vous filmez toujours des gens seuls. Et est-ce que c'est un moyen de mieux comprendre l'âme humaine, l'âme ou l'être humain? Et donc pourquoi ils filment des gens seuls? Souvent, enfin, les films que j'ai vus, hein, peut-être pas tous. Hein.
Mais même les trois sœurs, elles sont livrées à elles-mêmes. Il y a une certaine solitude quand même.其实人本来就是孤独的，就是我们是因为用家庭、用朋友、用这种共同的生活掩盖了自己，把我们个人给掩盖住了，感觉我们好像我们跟任何人大家都能在一起共同承担你生命当中的各种问题，包括情感，包括你的心理，其实不是这样子的。当我们每一个人，当你面临到你的困惑的时候，你任何人都是一个人。我们就是虽然我们生活在一个这样同一个房子里边，我觉得真就是说，实际上就是说，当你一切正常的时候，当你都很就是说很高兴的时候，你觉得是大家，如果你病了，如果你在这个世界当中你遇到了你不可以面对的问题，或者说你遇到了某一件事情，你就是一个人。你我觉得对我来说，我看这个世界就是这样的。一个人指的是什么？就是一个人单独的，对，因为别人不可以给你解决任何问题。 OK。Et pour moi, c'est que des êtres humains, au fond, ce sont des êtres humains solitaires, seuls. Et parfois, et on a l'impression c'est que, on n'est pas seul parce qu'on vit avec la famille, des amis. Et on a l'impression c'est que la famille et des amis nous aident soutenir, supporter tous les problèmes de la vie, etc. ou de nous aider de surmonter ces problèmes. Et surtout quand il s'agit de moments heureux, il s'agit de moments de moments faciles ou de moments joyeux, et on a l'impression qu'on était très entouré. Mais par contre, c'est que quand on a vraiment des problèmes de sentiments, des problèmes de la vie, etc., etc., et on se trouve très très souvent, c'est qu'on est tout seul. On est dans notre petit coin et on est tout seul. Et il n'y a personne d'autre qui peut vraiment vous aider. Voilà. Oui. Dans le droit fil de cela, moi je vis avec passionnément vos films, je les ai tous vus. Et dès que je vois un film de Wang Bing, j'accours. Donc un grand merci, parce que vous m'amenez à chaque fois une familiarité avec cet humain dont vous me parlez là. Tous les personnages, et il y en a énormément, des personnages ordinaires, vous les mettez dans cette solitude qui est la leur, mais elle n'est pas tragique. Vous n'avez aucun effet spécial pour rajouter du sentiment là où il faudrait. Et quand on en sort, jusqu'à l'épuisement, par la durée, mais jusqu'à l'épuisement de l'image, on les connaît tous. On pourrait presque les appeler pendant des heures encore par leur prénom. Donc un grand merci pour ça, parce que c'est une expérience unique. Ça, c'est un ressenti personnel, je m'excuse, c'est pas la règle du jeu, tout le monde en aurait un. Donc, par contre, question, ce sont des films fleuves. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la photographie, mais qui est un genre voisin. L'image est au cœur du cinéma, évidemment. Est-ce que le réalisateur a été inspiré par
des livres fleuves, des romans fleuves, par exemple. En France, on en a l'expérience. On a Proust, on a Flaubert, on a Balzac, on a des gens qui sont dans la culture du roman fleuve. Est-ce qu'il y a dans la littérature chinoise ou d'une autre société de la littérature fleuve qui inspire également le réalisateur ?其实我呢，就是说，我都是就是说，比如说我遇到了某个人，或者遇到了某件事情，或者是我去了某个地方，然后我在这个地方，我突然对这个地方感兴趣，对某个人感兴趣，对吧？或者是对某个家庭感兴趣，我才会突然就会去拍。那拍的时候，我就考虑，那我怎么去讲？就是说怎么在我拍的过程当中发现他的故事，然后并且就是说用电影逐步逐步的去完成。其实我的经验是来自于影像，就是我的真正的经验是对影像的敏感，对现场对人物的敏感，以及对人物的那种，就是当你站在这儿，你观察这个拍的时候，你观察这个人物的生活的时候，对那种生活的那个敏感度，我觉得我比别人更比很多人可能更敏感，所以我觉得我的电影的基本的素质可能是来源于这个地方。Alors, je voulais dire c'est que mon inspiration, parce que moi, enfin, c'est ce qui m'est très très sensible, c'est ça? Sensible, c'est que ce sont des, d'abord les gens, je peux dire à son âge, et les lieux, ça peut aussi parfois une famille.Et quand je trouve une personne ou des personnes ou un lieu ou des lieux et une famille et deux familles très très intéressantes, et ça me donne envie de les filmer. Et puis je pense c'est que je suis très très hypersensible, peut-être plus que la moyenne, par rapport à lieu, par rapport aux gens, par rapport à le destin de ces gens-là.Et je sens que ce sont des plutôt, je me suis inspirée, ce sont mes sources d'inspiration plutôt pour me donner des envies de les filmer ou de faire des films. Mais ce qui est... Et plutôt, c'est des. Voilà. Ça vient de. Parce que quand je les vois et je me projette, il y a des images dans ma tête. Et ce sont des. Je vois d'abord des images.Et je me suis plutôt ressourcée de ces images. Mais ce qui est curieux, c'est que sur certains des lieux de tournage sur lesquels vous avez fait vos films, vous ne retournez pas. Par exemple, pour À l'Ouest des Rages, je crois que vous ne retournez pas du tout dans cette région. Pour Feng Ming, vous êtes resté en contact avec elle. Il y a des lieux et des personnages de vos films avec lesquels vous restez en contact et d'autres avec lesquels vous mettez une distance pour différentes raisons. Peut-être vous pouvez nous dire...因为，就很多事情也是这样子，就是说，一个人就生活会有很多的变动，然后还有就是说，很多一些现实的一些原因，有的地方就是说，你可能就是可能就很少再回去，那么我从。2002年之后再没有去过铁西区，也就是大概有15年时间吧。但是要原因我也不知道什么原因，但是我总是没有这样的一个机会，就是再回到那个地方。
Le fait c'est que très, très souvent que je retourne plus dans des lieux où j'ai filmé, c'est pour des raisons toutes sortes. Parfois parce qu'on bouge, la vie change et on bouge tellement. Et c'est seulement j'ai jamais eu des occasions possibles de y retourner. Et par exemple le lieu de à l'Ouest Rail, je ne suis pas retournée depuis 2002. Et ça fait 15 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais seulement j'ai jamais eu des occasions quoi qui me permettent d'y retourner. Et je n'ai pas trop réfléchi à ça. Question. Ouais. Puis-je poser une question en chinois? Peut-être. Vous pouvez faire en français et en chinois. Comme ça, Ah, d'accord. Bah, je vais le poser d'abord en chinois. 王冰导演你好，那个，我想问一个关于您电影主题的问题，因为我也看了《加边沟日记事》，是杨显慧先生写的《加边沟记事》，看了两遍，然后我合上书的时候，我觉得是一个非常沉重的话题，是一个非常沉重的记录。 那我也看了您的电影，像最近的《苦钱》和《凤鸣》和以前的《铁西区》，这些事情都是，您记录的东西都是比较沉重的，或者说，如果做一个归纳，可以说是在记录一种，贴近于现实的苦难。我不知道您是不是。 同意这个说法，也不知道您是不是同意苦难才是这个世界的来源这样的说法，是不是您对于您纪录片的主题或者这种线索的嗅觉和直觉是来源于这种比较沉重的对生活的思索，或者你觉得纪录片的本质就是要记录这样的沉痛的东西？谢谢。 Ah, c'est difficile. C'est trop difficile. Je préférais que vous pouviez le traduire, s'il vous plaît. J'ai posé une question sur le thème des documentaires de Wang Bing, de le réalisateur, et c'est que si le réalisateur est pour que le monde il vient d'une souffrance, parce que je trouve que son thème de documentaire c'est une souffrance qui base surtout dans la vie quotidienne, c'est ça. Merci. 对于电影来说呢，我觉得就是你提的问题呢有。 J'avoue que c'est une question, on peut dire, c'est une question un peu dans l'ordre général, mais en même temps, ce sont des questions importantes. 因为纪录片跟文化跟什么东西都是一样的，你比如说我们看待我们有每个时代都有不同的小说、不同的戏剧、不同的故事，那么这些故事里边有高兴的，有不高兴的，也有就是说我们认为重要的，也有就是说我们认为并不是特别重要的，所以每一个历史段落里边都会产生不同的作品。 所以纪录片也是这样子的，所以我觉得呢，每一个导演有每个导演的这个敏感，就是他的价值观，所以随着这个价值观的不同，可能会出现不同的作品，所以这个东西其实我不需要解释，这个就是我想大家都清楚。 documentaire fait partie de la culture et c'est vrai, c'est que ça dépend des périodes, des époques
ou des moments, et il y a des œuvres qui se produisent, des œuvres artistes ou des livres ou des romans ou des films. Et par rapport à la sensibilité individuelle de chaque réalisateur, bien sûr, il y a un choix de sujet. Ça dépend de ce que le réalisateur trouve, lequel sujet important, et du coup, il va bien sûr traiter de ce sujet-là. Et bien sûr, ce choix a un rapport avec les visions du monde, les valeurs et tout ça, quoi, ouais. 我觉得艺术的这个词呢，就是说有两种，就是我们如何理解艺术这个词，一方面就是愉悦美，但另一方面就是真实。对，就是看着你看它很高兴、很美，然后一个作品、一个画或者一个，但艺术同样要具备的是真实。如果我们仅是一个形式，我觉得那是愉悦。 愉悦不代表艺术的全部，所以这么多年呢，我按我自己的一个工作方式在工作。但我觉得为什么我要这么工作呢？我觉得艺术可能解决不了什么社会上的问题，比如说我拍摄的人物，拍摄的我电影里边的人物，我没办法去将他们通过电影把他们改变他们的生活。但是我 Et si on parle de l'art, des œuvres d'art, et bien sûr, l'une des fonctions de l'art, c'est aussi au plaisir des yeux. Ça, bien sûr. Et en même temps, moi, c'est que je me soucie aussi beaucoup, c'est que l'art donne une vision d'une vérité, ou du réel, ou d'une vérité. Et bien sûr, que je fais mes films selon ma propre façon. Mais je suis bien conscient, c'est que l'art, bien sûr, il montre, mais il ne propose pas forcément une solution. Il ne peut pas vraiment changer, par exemple, le destin des personnages. Et voilà, et le cinéma ne change pas la vie, quoi, des personnages. Hein. C'est ce que vous disiez dans À l'Ouest des Rails, où on voit cette région, cette ville usine qui a compté, je crois, un million, je ne vais pas dire de bêtises, d'ouvriers, et qui a été privatisée, et les usines fermant les unes après les autres. Voilà, il y a un constat d'échec, il y a une paupérisation de la population, et vous dites que vous ne jugez pas. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas, vous observez, vous offrez un regard, mais vous ne dites pas, vous ne positionnez pas en tant que juge, quoi. Et ça, c'est toujours assez appréciable, parce que ça laisse aussi au spectateur énormément de place. Et on se sent très respecté quand on voit vos films. Une dernière question, et après on passera à la dédicace. C'était pas une question. Hein, c'était...对，但是就是说我肯定会有判断的，我觉得不，我是有判断的，就是说只是说我不会直接告诉你我的判断，我会把一个真实的故事。 或者真实的影像呈现出来，但是我自己会有判断的。当然，我并不是想左右别人，只是我不会把我的判断强加给你，只是就是说，在这里边我会判断，但同时我也会给你判断的这个自由。 En fait, j'ai des jugements, mais je vais pas les montrer. Et c'est que bien sûr, c'est ce que je voudrais, c'est que donner vraiment l'espace au public pour faire leur propre jugement. Mais bien sûr, j'ai des jugements, oui. Ouais. Mais je ne les montre pas, surtout. Voilà. Oui. J'ai une dernière question, deux dernières questions. Oui, peut-être que vous nous parliez de... Enfin, quelle relation vous créez avec, avec les personnes ou vos personnages et donc lors du tournage,
Et peut-être plus particulièrement, ce qui m'intéresse sur le film qui se passe dans un hôpital psychiatrique, dont j'ai oublié le nom, À la folie. Voilà.我跟他们的关系呢，就是说，因为我去拍他们嘛，所以就是，我就在里边住了大概，就是说待了大概有两个多月，两个不到三个月的时间。那么在这个过程当中，就大家互相会一起慢慢的互相了解，然后一边拍一边了解。 比如说不同的人他的家庭他的过去他的现在的这种就是他的困惑，就虽然他是这个精神病人，他一样，他跟我们正常人一样，他有很多的困惑，所以就是每天你就会待在这个病院里边，然后你一会儿和这个人聊聊天，一会儿和那个人聊聊天，但在这个聊天过程当中有时候不拍， 就是坐在里边跟这个人聊聊天，了解他，他也会问我很多问题啊，问我是干什么的，我的家庭，我的过去，我自己想问题等等，就是说在这个短暂的两个月里边，两个不到三个月的时间里边吧，就是说我们因为我在拍这个作品，所以我们就 因为这件事情，我们就建立了一种，就是说相互沟通的这样一种可能性。所以在当一个电影拍完的时候，实际上对所有人，对你拍的，对你面对的这个里边的所有人的他的生活的问他的生活里边他自己私密的很多的其他的信息，或者是彼此之间都会有一种就形成一种关系，但可是 等到这个时候的这个电影其实就拍完了，你可能不会再有时间或者再有机会，让你再重新再回到你，就是说你拍片的时候和他人的那种心理的沟通当中去。这两个月、三个月是包括拍片的过程，对吧？就是拍光拍摄。 En pêche de coaching, ok. En fait, le film a été tourné pendant entre 2 ou 3 mois. Et pendant cette période que moi j'ai... Je suis tout à l'heure, tu n'as pas été Ok. En fait, pendant cette période, je passe tous les jours, toutes les journées, surtout toutes les journées et parfois le soirée aussi, et dans ce centre-là. Et on parle de, à la folie hein, du film. Ouais. Et moi, j'ai pendant les trois, c'est que je tourne pas tout le temps. Et ça dépend. Parfois, je tourne et parfois, c'est très, très souvent, c'est que je discute avec eux. J'apprends à les connaître. Surtout parce que d'où il vient, par exemple, un personnage, et pourquoi il est là, et quel est vraiment son passé, et quel est vraiment son problème, sa tête, et qu'est-ce que. Soi-disant, ce sont des gens un peu mentalement handicapés, mais en même temps, chacun aussi a des soucis. Quels sont ces soucis, etc. Des problèmes. Et je bavarde avec eux, je communique. Et pendant ce processus-là, parfois je tourne et parfois je ne tourne pas du tout. Et eux, ils me posent aussi toutes sortes de questions. D'où je viens et qu'est-ce que je fais, et voilà, etc. Et moi, je lui réponds aussi. Et c'est pendant ce processus de contact aléatoire, ça veut dire seulement réciproque, de connaissance en réciproquement, c'est que je tournais ce film-là. Et à la fin de cette période, mon film est terminé et la relation, je considère aussi à peu près terminée aussi, cette relation interactive, on peut dire. Ouais. Merci. Oui, je voudrais une question sur le dernier film, quelque chose qui m'a troublé dans le dernier film. Oui. C'est-à-dire que d'habitude, tu as une population, tu as des personnages, tu restes avec eux, tu les suis, et là, la situation fait que tu ne peux pas. La situation fait que les groupes bougent sans arrêt, et toi, tu ne peux pas rester avec eux. En plus, les groupes se répartissent, se dispersent, et tu es obligé de passer d'un
d'un groupe à un autre, tu sais même pas où ils vont. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir te centrer sur un petit groupe, pour toi, ça a été une libération ou au contraire, ça a été une gêne?肯定是一种干扰，因为过去我没有这种，就是说，因为整个社会虽然是就是说，还是在一个正常秩序下面，但是拍德昂就不一样，因为就不在一个正常的秩序里边，突然你觉得人的这种变换就是非常的快，人的所有的就是战争这个东西，确实是对人的那种改变，就是说。它跟我们真的正常的生活完全不一样，它可以突然让一个人变成另外一个人，或者突然随时就会改变你，就是说你个体无法去左右你自己，你随时都要改变你的不同的这样的生活，或者说不同的这个方向，你不能随意的说你想跟谁在一块儿或者是怎么样都不可以，就是说，所以这个时候我也一样，在这个其中，如果我想拍这个人，我继续想拍他，不可以，因为我没办法去逾越这种关系，因为，比如他要回缅甸，或者他要去另外一个村庄，或者去另一个地方，那个地方是我不能去的地方，所以就很多事情你都会被中断。Oui, forcément, c'était vraiment un gêne pour moi. Parce que, en général, c'est que quand je tourne dans un film, et en général, c'est dans une situation un peu normale, on peut dire normale, ça veut dire il y a toujours un trajet, ça peut à peu près plus ou moins prévoir dans quel sens il va, etc. Je peux le suivre. Mais dans cette situation-là, c'est comme c'était complètement une situation complètement anormale. C'est la guerre qui dicte. Et ces gens-là, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui va passer dans la prochaine minute. Et du coup, ces gens-là, ils sont obligés de changer tout le temps. Et parfois, changer la direction voilà, où ils vont, etc. Et du coup, ça veut dire, par exemple, quand il y a un personnage qui m'intéresse, que je voulais vraiment le suivre, et tout d'un coup, la personne voulait rentrer en Birmanie ou voulait aller dans un village que moi, je ne peux pas du tout y aller. Et du coup, j'étais obligée d'interrompre, quoi. Et du coup, ça me pose constamment aussi des problèmes parce que j'ai été obligée d'interrompre. Je ne peux pas suivre, quoi. On va peut-être s'arrêter là. Je voulais montrer un extrait, le début des Trois Sœurs du Yunnan, pour ceux qui ne connaissent pas le film ou le cinéma de Wang Bing, si vous en êtes d'accord. Juste les premières minutes. Ouais. Donc on va projeter quelques minutes, 3-4 minutes, et après on passera à la dédicace près de la...
Donner une envie, un aperçu voilà, du travail de Wang Bing. Juste une dernière question, Wang, sur les travaux à venir, les projets, voilà, ce sera la dernière question. Les futurs projets. Le futur projet, 卡萨尔那个文献展上面的放映的一个80分钟的影片。 Je viens de terminer presque. Je viens de terminer le montage d'un projet et pour Documenta à Cassel et d'une durée à peu près 80 minutes. Oula, c'est un court métrage. 就是因为那个展览嘛，它需要的。 作品比较多，我们还有其他的一些东西，所以就是说，你不可能做太长的影片，就没有那么多的精力。 Et voilà, je vais le présenter à Cassel, Documenta cette année. Et il y a aussi d'autres choses. Et le sujet de la Documenta, c'est les gens que vous filmez. Non, le sujet du film de la, que vous présentez à la Documenta. Ah, non, mais问题就是说，我们讲的是，就是说，因为我一个朋友，他的母亲在15年的时候，我认识他，然后我觉得他母亲这人，就那时候他得了一种病。 但是呢，他就是说接触的时候，这人特别慈祥。我跟他的孩子的关系特别好，就去他们这个地方，去他们家里边，然后认识到他妈妈。然后我就觉得，哎，拍拍他母亲挺好的。结果在去年的时候，突然他跟我说，他已经把他母亲接回家了，他母亲现在已经不行了，可能几天之后就会去世。所以呢，我就说，那我就，因为之前我已经拍过他妈妈。 所以就说，我就接着去拍他母亲，然后直接他母亲，去世，这样就是一个人就看这一个人不，基本上就是他不会说话，但是他会有很多感知，然后就是一个人如何从一个正常的状态下这样到死亡。 En fait, le film montre le montre qu'une femme la mort d'une femme et enfin je la rencontrais à travers d'un ami, enfin c'est sa mère et à l'époque que je l'ai rencontrée j'ai tourné quelques images que je la trouvais très intéressante et puis seulement l'année dernière mon ami m'a dit que sa mère était tombée malade et qui allait mourir dans peu de temps.
Et dans ce cas-là, je suis allée et j'ai enregistré ces derniers jours. D'accord. Voilà, et ça montre comment la vie s'éteint. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wang Bing. Moi, c'est un plaisir. C'est ça.